La suite numérologique. 32. Les mêmes façons de donner vous aide. Le 2, espoir, confiance. Les chiffres en numérologie. Pour essayer de reprendre un peu tranquillement, pour essayer de proposer un petit questions qui ont été formulées et pour reprendre ensuite à partir du corps causal, corps céleste et corps divin, pour terminer entre deux temps. Et un peu une petite conclusion sur la suite donc, des corps subtils. Donc, en numérologie, si je peux me permettre, il y en a qui doivent connaître un peu les significations des chiffres. Donc, simplement, en angiologie, c'est plutôt dans le corps céleste qu'on parlera tout à l'heure, mais pour synthétiser un peu, le zéro, l'amour du créateur. Le 1, plutôt que vos peurs, évitez, vous concentrez sur vos désirs. Le 2, espoir, confiance. Le 3, les maîtres ascensionnés vous aident. Le 4, les maîtres Reiki vous aident. Le 5, protection. 6, équilibrer vos pensées matérielles et spirituelles. Les équilibrer. Le 7, donc la spiritualité, bien entendu. Le 8, l'abondance. Et le 9, incarner vos projets sans tarder. Faites de l'incarnation. Symboliquement, entre guillemets, un peu dans cette optique. Après, c'est aussi une tradition occidentale qui nous veut dire ça. Allez savoir si là-bas, l'islam, les chiffres seraient signifiés quelque chose d'autre. Si en Afrique, ça signifierait quelque chose d'autre, n'oublions pas qu'on a des différences aussi par rapport aux cultures. On a du conditionnement. En astrologie, on a aussi des symboliques. Même en astrologie amérindienne, on a des corrélations avec l'astrologie traditionnelle. Donc, comment ça se chevauche, ça? C'est vrai que c'est spécial, mais ça vaut la peine peut-être de s'y intéresser. C'est vrai que si on est un peu curieux, je pense que ça vaut la peine, pas à son temps, on ne sait pas de nous. Mais effectivement, ça demande, entre guillemets, un travail. Qu'est-ce que c'est le son de travail? Une femme rentre en travail, elle va enfanter. Travail, c'est aussi un ancien outil qui bloquait la face du cheval pour serrer le cheval pour la recherche. Et c'est ce qui s'appelle le travail. Le travail, c'est pas spécialement une contrainte aussi. C'est vrai, c'est une contrainte, c'est un bloc, c'est embêtant. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un épanouissement, mais c'est aussi une libération. Et là, on revient dans les corps subtils. Et là, c'est une troisième partie qu'on peut parler sur le travail. C'est le corps subtil, toute cette modulation, ces fréquences qui bougent, presque on peut les entendre. Si on était vraiment, je crois, on sera sensoriel, entre guillemets. Mais effectivement, ça fait partie aussi de l'angiologie. Donc, je préfère vous le réserver tout à l'heure les corps célestes. Alors, on m'a demandé EMDR par rapport à de la PNL. Donc, c'est un mot unique anglais, mais c'est un peu la même chose, entre guillemets. C'est-à-dire en PNL, par exemple, je prends un exemple, comme ça, au moins, c'est clair. J'ai un ami qui a eu un accident de voiture. Il n'a plus voulu reprendre sa voiture. Alors on a fait un travail en PNL, programmation neuro-linguistique. Il est en sécurité. Ça se fait quand on est à deux, entre guillemets. S'il y a plusieurs personnes, ça ne fait pas trop aussi. C'est pour ça qu'il y a une relation privilégiée d'un être humain et d'un autre être humain. C'est-à-dire que je l'ai mis dans un endroit particulier où il se sentait protégé, où on prend du temps, qui est un luxe, pour la personne à l'écouter, et je lui reformule ce que tu as vécu. Mais avant, tu es dans une bulle, tu es en protection, et tu sais que c'est une revisualisation, et toi tu ne fais rien. Tu es protégé. Et là, il n'a plus... Verbe, dire, de le penser, se permettre d'avoir l'autorisation de le repenser, on lui donne l'autorisation de penser à ça. Il n'y a plus une césure, il n'y a plus une autre
censure. On dit, pense ici, tu es protégé, il dit par là. Eh bien, il a refait sa démarche. Il a vu où il y aurait pu avoir un problème. Je fais un rapport, je fais un problème, il y a un problème qui se passe. Une surprise à l'inconnu. 2 plus 2 égale 5. Un événement, on ne l'attendait pas, et il tombe cet événement. 2 plus 2 égale 5. La surprise est l'inconnu. Cette porte s'ouvre, il sort, je ne sais pas qui. Mais il rentre, ou il rentre, mais il pourrait, on pourrait sortir aussi. On ne sait pas tout à fait. Honnêtement, si on est juste, on ne sait pas tout à fait. Mais la surprise, l'inconnu, il a pu le revisualiser et le dire. Eh bien là, c'est une libération. Eh bien, il a repris sa voiture et tout va bien. On débloque. Moi, personnellement, il m'est arrivé d'avoir un problème avec une phobie des chiens noirs. Ça venait d'un chien. Un chien en particulier. J'ai pu me déprogrammer en PNL, programmation neurolinguistique, revivre la situation. Je peux le revivre à peu près en temps heureux. J'ai faussé les données du problème. Oui. J'ai gommé. J'ai faussé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et j'ai repris mon problème. On m'avait fait confiance. On m'avait donné les clés d'une maison. Je suis allé à cette maison pour nourrir un chien. Manque de peau, je n'ai pas suivi l'ordre. Parce qu'il y avait plusieurs chiens. Il y avait 2 chiens. Il y avait un chien dans un enclos et un chien qui était attaché que je devais libérer pour qu'il se dépatouille les pattes. Manque de peau, mon erreur a été de libérer en premier celui qui était attaché. Il s'est dépatouillé les pattes, il était libre. Je suis allé nourrir celui de l'enclos. Et lorsqu'il est rentré, ils se sont bagarrés. J'ai voulu les séparer et je me suis fait mordre la main. Puis après, ça m'a fait peur et j'avais toujours presque peur de tous les chiens noirs. Je me suis déprogrammé, mais le problème, il n'était pas physique, il était mental. On m'a fait confiance, on m'a donné les clés, on m'a prêté les clés d'une maison, on m'a dit, tu vas nourrir un chien. Eh ben, j'ai pas été à la hauteur, ce que je me suis dit. Alors qu'il y avait 2 plus 2 égale 5, j'ai pas fait l'ordre. L'ordre était de tout simplement nourrir le chien dans l'enclos, fermer l'enclos, il restait dans son enclos tout aligné, et après aller faire galoper l'autre, et le donner à manger de le faire galoper. Mon problème était là, alors que la surprise d'un inconnu bien mystérieuse m'a fait pourquoi celle-là, en premier. J'ai pas suivi un ordre. Et je ne comprends pas que ça a été une libération. C'était la surprise de l'inconnu, c'était pas prévu. Voilà. C'était la surprise. Eh, bah, tu tentais de les séparer la main. Il se bouffait, je lui donnais des coups de bâton, j'étais le sourdeau dessus, j'ai serré la main, je me suis bouffé, ça a arrêté. Qu'est-ce que tu vas te mettre dans deux animaux qui sont en train de se battre pour aller les séparer? Ah ben, j'ai mal jugé mon truc. Maintenant, je sais. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'était ça, c'était le prétexte. Le prétexte, c'était, on m'a fait confiance et j'ai échoué. Le prétexte, c'était là. Le prétexte, j'ai pas été à la hauteur. Et c'est pour ça que j'ai dû me déprogrammer, parce que sinon, il me dit, eh ben Marco, tu veux me garder, tu mets des lunettes, je m'en vais. Je lui ai dit non, si je ne me sers pas déprogrammer, me reprogrammer et réajuster, je resterai bêtement encore comme ça à la peur. Maintenant, on peut me dire, et je lui ai fait confiance. On me laisse les clés, il n'y a pas de souci. Simplement, donc, tu es en protection. Les animaux aussi, les végétaux, les minéraux aussi, les énergies. Après, c'est un problème de vocabulaire. Que j'appellerais le corps aurique. C'est plus flagrant avec les animaux et les végétaux. Peut-être plus sympathique, parfois le comprendre avec un exemple pour les arbres. Manque de l'énergie. Je le trouve à l'arbre. Je vais prendre une feuille et un effectif. Je prends l'arbre, j'ai l'impression que c'est l'arbre d'un mois. Je mets la main pour prendre, proche de l'arbre. Et ma main se reçoit sur le tissu solaire.
la remise, je prends de l'énergie de l'arbre par ma main, je reçois par le dessus solaire la partielle de moi. J'ai un seul lieu. Et c'est vrai que c'est une communication particulière. C'est si particulier qu'il faut bien faire attention qu'il y a un remise. C'est un pas petit arbre en dessus. Je prends le droit. C'est aussi bien gêne. Mais effectivement, on va prendre un peu dans le droit, prendre un petit arbre. Pas avoir un petit arbre, pardon, prendre un droit pour qu'il y ait de l'énergie. De lui en donner. Il n'y a pas de sens d'ensuite sur l'arbre. À ma question, je ne sais pas répondre. Je préfère être bien que je ne sais pas. Moi, je le fais à peu près sur. Tout ça, je regarde pas. Mais peut-être que ça peut exister. Honnêtement, je suis Marco, je dis la cuine. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Toutes les choses que je ne sais pas dans du colloquial chimique, c'est à l'écrire. Je ne suis pas sûre que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses. Non. Les animaux. On parle des animaux. Alors, il y a des animaux qui sont un peu, comment dire, avec moins de liberté que d'autres. Par exemple, les chiens ont plus de liberté, ou peuvent avoir plus de liberté qu'un chien. La façon de communiquer avec l'animal aussi, c'est aussi de le respecter, de ne pas le vampiriser, et ça c'est très difficile et ça demande un effort. Comme avec les êtres humains, c'est de la communication. Le respect d'autrui est important, et l'autrui peut être une plante. Être un animal. C'est une façon de se positionner, comme je vous ai parlé un peu par rapport au sein solide de Platon, par rapport à qui sont dans les cardinaux, du coup la Pérou, à la tradition amérindienne, ou le Feng Shui. C'est se positionner. Pourquoi ne pas se poser la question, pourquoi suis-je là? Pourquoi ne suis-je pas ailleurs? Pourquoi Monique s'est placée là? Pourquoi vous vous êtes assis de là? Pourquoi là-bas? Effectivement, il n'y a pas de souci, mais tout va bien, Monique. Tout va bien, tout va bien. Mais voilà, il y a des positionnements, mais ça peut être intéressant. Parce que aussi, ça fait partie aussi d'un corps astral. Il y a des façons d'être par rapport à des énergies. Où on présuppose que c'est là qu'on doit être. Le chat. Le chat est une usine. Le chat, c'est sympathique, le chat. Le chat, il se met à un endroit où personne ne voudrait être. Ou alors le chat se met à un endroit où tout le monde voudrait être. Ça, c'est redoutable. Et effectivement,